Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne Cours de Guitare Bourges. Je vais donc vous montrer un petit cours gratuit qui sera dorénavant disponible sur ma chaîne de temps à autre. Et c'est parti pour un univers très hendrixien avec le morceau Little Wing de Jimi Hendrix. Ok. On va voir un peu cette technique hendrixienne. Comment s'appelle cette technique que l'on utilise tant dans le blues? Eh bien, on appelle ça la technique du double stop. Le double stop, en fait, va s'effectuer tout simplement avec un barré. Et c'est là où il va falloir être très attentif. On va avoir donc un barré de ce type-là. Et donc, on va jouer uniquement avec le barré et l'annulaire. Du moins pour cette technique-là. Et encore une fois, sur ce passage-là. On va jouer donc ces cordes-là, je vais donc vous les jouer plaquées. On a l'annulaire, troisième corde en partant du bas, donc sur la case 7, et le barré qui restera évidemment case 5. Donc on doit avoir comme note celle-ci. Au-dessus, on monte l'annulaire, celle-ci. Et encore celle-ci au-dessus. Je refais. Ok. Donc on va faire, on doit entendre celle-ci, ce qui est difficile c'est qu'on doit effectuer ce qu'on appelle un hammer on et un pull off, c'est-à-dire on lance le doigt, mais on doit encore entendre celle-ci sonner, ok, au-dessus, la même chose et encore au-dessus, hein, on doit jouer encore celle-là, et on doit effectuer ça, comme ceci. Ok, je remonte. On refait à vide. Donc on fait ça. À vide, du moins sur la case 5, on rejoue ces notes-là. Ce qui nous fait donc... D'accord? Après, au-dessus, la même chose. Donc ça. Et au-dessus... La même chose. Et c'est comme ça qu'on fait un double stop efficace. Donc, comme ça. Ok. Donc, on le refait. Ok. On peut le faire plus fortement ou plus légèrement. C'est comme on le souhaite. Là, je l'ai fait un peu plus exagéré. En léger, ça ferait... D'accord? Mais par contre, il faudrait mettre un peu plus de corps, ce qui nous donnerait... Voilà, donc pour le double stop, n'oubliez pas, on fait... Après, l'annulaire au-dessus. Et encore au-dessus. D'accord? Et donc, ça nous donne... Voilà un petit peu pour cette petite astuce du double stop. Et je vous invite à suivre ma page de temps à autre et vous y trouverez plein de petits cours gratuits comme ça. Je vous souhaite bon courage dans l'apprentissage de la guitare et à très bientôt.